Yo les frérots, aujourd'hui toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter l'équipe de Toulouse en évolution sur FC25, c'est parti. Avant ça mon frérot, n'hésite pas à liker et à t'abonner et n'hésite pas à me donner ton pronostic du match de 17h dans les commentaires. Et on va commencer par le gardien de but les gars, Guillaume Reste, je sais pas si on le prononce comme ça. Malheureusement il n'y a toujours pas d'évolution sur les gardiens. En défenseur droit, Djibril Sidibé les gars. Bon franchement, belle carte, hein. Il n'y a pas grand chose à dire, la carte elle est plutôt sympathique. En DC, on a la carte de Mackenzie qui n'a pas encore d'évolution. D'ailleurs si vous avez vu sur mon TikTok les gars, Toulouse j'avais montré une évolution de Mackenzie qui était vraiment pas mal. En deuxième DC, on a la carte de Rasmus Nicolaisen les gars. Je sais pas encore une fois si j'ai bien prononcé, mais la carte ça va, plutôt sympathique. En DG, on a la carte de Gabriel Soiseau. Il manque un peu de vitesse, mais encore ça va, pour un début de jeu ça passe. Au milieu de terrain, on a la fameuse carte de Caceres Junior les gars. Il a une carte de fou furieux en tant que MDC double 4, passe incisive. Les stats, c'est du poulet. En autre MC, on a aussi la carte de Niklas Schmidt, les gars. 4 GT 5 MP, franchement, très grosse carte. D'ailleurs, c'est dans l'évolution Edgewood. On a aussi l'évolution de Vincent Siro. Bon, je vous mens pas, là, c'est pas très intéressant de fou. En MOC, c'est un ancien Rennes, c'est la carte de Yann Bo. Malheureusement, il est en double 3 étoiles, mais belle petite carte au niveau de la vitesse, du tir, du drift. Franchement, ça va. En buteur, on a la carte de Zakaria Aboukal, 4 GT 5 MP. Franchement, une très grosse carte. Et pour l'accompagner, on a aussi la carte de Franck Magri. Bon, 2 GT, 3 MP, là, c'est pas si fou que ça. Sur le banc, on a la carte de Niflor, la carte de Lacombe, la carte de Haraj. On a aussi Dominguez, Genro, Zaj. Ouah, par contre, les gars, vous avez des joueurs, c'est dur à les prononcer, wesh. On a aussi la carte de Cresswell, la carte de Donum, la carte de Kamanzi. Et c'est terminé. Allez, c'est parti, les gars, pour le match avec l'équipe de Toulouse contre le Stade Rennais. On l'équipe, on l'a déjà vu, les gars. Allez, Amine Gouri. Amine, pour shoot. Dommage. Mais Doblas. Amine. Ouh. Bien joué, Mandanda. C'est la mi-temps, les frérots. Pas grand chose à se mettre sous la dent pour l'instant. Ouh. On a eu chaud, les gars. Oh là là. Aboukal. Bien joué, Assignon. Oh là là, le tag de fou. Oh, le loupé, les gars. Et le retour défensif aussi, hein. Oh, rouge pour vous. Non. Comment ça? Est-ce que tu peux mettre une pause pour moi? Ah, putain, je peux pas. Ah non, j'ai voulu la dégager. Ah putain, j'ai voulu la dégager pour te la redonner. Je me prends un compte comme ça, c'est dégueulasse. Ah, je te jure, ça me dégoûte. Les gars, je vais demander de mettre une pause. J'ai voulu leur passer la balle. Ah, ça me dégoûte, frère. Ah, c'est mort. Je suis plus dedans, les gars. Ah, je suis plus dedans. Ah, j'ai envie de tout casser. Et c'est terminé les frérots. Défaite de Buzyn. Putain, je vous mens pas, j'ai trop la haine. J'ai trop la haine. Bon du coup les gars, malheureusement défaite de Buzyn contre Toulouse. Il y a eu défaite de jeu, malheureusement c'est comme ça. On recommencera pas le match les gars. Ici on assume tout. Comme d'hab les frérots, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires le score que vous voyez du match de ce soir à 17h.